tous, de retour sur la chaîne pour un nouvel épisode de Stories consacré à l'histoire d'Amityville. Terrifiante, controversée et célèbre sont les mots auxquels on pense quand on entend Amityville. Il y a évidemment le cinéma avec de nombreux films sortis depuis de nombreuses années. Si vous aimez la chaîne et souhaitez la soutenir, alors vous cliquez sur s'abonner et vous activez la cloche pour ne rien manquer. Si vous êtes installé, alors sans plus attendre, c'est parti pour cet épisode. En 1965, Ronald et Louise DeFeo achètent une maison aux États-Unis, plus précisément à Amityville. Celle-ci fut édifiée en 1928 et se compose de 4 niveaux, une bâtisse imposante au style colonial. Le couple s'installe avec leurs 5 enfants, Ronald Jr., 23 ans, Dawn, 18 ans, Allison, 13 ans, Mark, 12 ans et John, 9 ans. Ronald DeFeo est directeur général d'une concession automobile sur Brooklyn et Louise est mère au foyer. Ronald DeFeo Jr., quant à lui, est un élève médiocre et arrêta ses études à l'âge de 16 ans. Par la suite, il enchaîne les boulots sans grande motivation. Son père décide alors de lui offrir un poste de mécanicien dans la concession où il travaille. Bien que la vie de Ronald Jr. soit relativement agréable, il est décrit comme étant triste et renfermé. Il commence à prendre de la drogue et à voler sa propre famille. En 1973, Ronald Jr. assiste à une dispute entre ses parents, lors de laquelle il menacera son père avec un revolver, mais heureusement l'arme s'enraya. Mercredi 13 novembre 1974, à 3h14 du matin. Ronald DeFeo Jr. termine le film qu'il vient de voir à la télévision. C'est alors qu'il s'empare d'une carabine. Il commence par abattre ses parents et tue ses frères et sœurs dans leur sommeil. Bien que cela puisse paraître étrange, aucun voisin n'entendra les coups de feu. En fin d'après-midi, il se rend dans un bar et dit en hurlant « Vous devez m'aider, je crois que mes parents ont été tués ». Il prend sa voiture, escorté et suivi par 6 hommes dans une camionnette. Sur place, les hommes découvrent le massacre et à 18h35, un des hommes du groupe, se prénommant Joey Yeswit, appelle le 911 et raconte ce qu'il a vu dans la maison. La police se rend rapidement sur place. Ronald dira à la police qu'un tueur à gages nommé Tony Mazzeo pouvait être le tueur car il en voulait à sa famille. Cependant, la version de Ronald est très incohérente. En effet, il dit être resté toute la nuit chez ses parents, ne sachant pas s'endormir. Il aurait quitté la maison à 4h du matin pour aller travailler. Tony Mazzeo disposait d'un alibi prouvant qu'il ne pouvait être sur place. Plus tard, Ronald DeFeo avoue les meurtres et dira qu'il s'est réveillé devant la télévision, qu'il était monté dans sa chambre et avait chargé son fusil. Une fois commencé, il lui était impossible de s'arrêter à tuer. Il ramassa les douilles et prendra un bain. Il s'habilla et se débarrassa des vêtements tachés de sang et du reste avant de partir travailler. L'audition préliminaire aura lieu le 22 septembre 1975 et son avocat William Weber plaide à la folie. Le jeune homme affirme avoir entendu des voix comploter contre lui et que le diable lui a dit « tue-les ». La thèse de l'aliénation mentale fut soutenue par le psychiatre de la défense. Bien que le psychiatre de l'accusation souligna que Ronald DeFeo, consommateur d'héroïne et de LSD, personnage antisocial, était conscient de ce qu'il faisait au moment des faits. Le 21 novembre 1975, DeFeo Jr. sera condamné à 6 peines consécutives de 25 ans. L'affaire de possession fut classée sans suite et la maison sera mise en vente au prix de 80 000 $. Un tarif attractif qui laissera la maison inoccupée durant de longs mois. «
À la fin de l'année 1975, un couple, George et Kathleen Lutz, qui cherchaient une maison, rencontrent un agent immobilier qui leur propose une grande bâtisse où ils pourraient s'installer avec leurs enfants. L'agent, au départ hésitant, les informe sur le passé de la maison et la sombre histoire de la famille de Féo. Après de nombreuses recherches sans succès, le couple se demande s'il est possible d'acheter la maison et de composer avec son passé. Le 18 décembre 1975, George Lutz et sa femme, ainsi que leurs trois enfants, emménagent dans la demeure. Le prix payé pour la maison est de $400, meubles compris. Un tarif improbable si l'on compte d'autant plus la présence d'une piscine, une rivière et un garage à bateaux. Le couple n'y vivra que 28 jours. Au même moment, un ami de George insista pour que la maison soit bénie lorsqu'il apprend que la famille vivra dans la maison des deux Féos. Rappelons qu'à cette époque, George et Kathleen sont croyants mais non pratiquants. George fait appel à un prêtre nommé Ralph J. Pecoraro. Le père Ralph commença la bénédiction de la maison alors que les affaires de la famille sont à peine déballées. Le prêtre commence par l'étage pour finir par le bas de la maison. Dans l'une des chambres, précisément celle où Mark et John DeFeo avaient été assassinés, le père Ralph entendit une voix très forte lui dire « Va-t'en ». Une fois la bénédiction terminée, George souhaite donner un peu d'argent au prêtre pour ses services. Celui-ci refuse fermement et lui dit qu'il a senti quelque chose dans cette fameuse chambre. George dira au prêtre qu'il ne compte pas s'en servir, mais en faire plutôt une salle de couture pour sa femme. Le père Ralph lui dit que c'est bon du moment que personne ne dort dans cette pièce. Après sa visite dans la maison, le prêtre Pecoraro sera en proie à une forte fièvre et des cloques ressemblant à des stigmates apparaîtront sur ses mains. Très inquiet, le 24 décembre, il décide de contacter George afin de s'assurer que personne n'occupait cette pièce. La conversation sera interrompue par un bruit d'électricité statique. Les phénomènes étranges débutent quasi immédiatement à l'arrivée du couple Lutz. Il s'agira d'odeurs écœurantes, d'excréments et de vieux parfums. Certaines pièces de la maison deviennent glaciales et l'on entend des bruits pendant la nuit. Des centaines de mouches apparaissent malgré un rude hiver, bien que cela soit impossible. Les caractères des membres de la famille changèrent également. Mélissa, la plus jeune des enfants, disait qu'un ange habitait sa chambre. Il se nommait Jody et ressemblait à un cochon, avec la possibilité pour lui de changer de forme quand il le désire. George et Cathy affirment même avoir vu à plusieurs reprises des yeux rouges dans la chambre de leur fille. Durant leur séjour sur Ocean Avenue, toutes les portes, les fenêtres et les serrures furent endommagées. Des traces noires impossibles à nettoyer imprégnaient la porcelaine. Un jour, un crucifix fixé au mur se retourna sur lui-même. Plus tard, des traces de sabots seront visibles dans la neige menant jusqu'au garage à bateaux dont la porte avait été arrachée. Manœuvre impossible à réaliser avec les bras d'un homme. Bruit de pas et portes qui claquent seront monnaie courante. George se réveille en pleine nuit à 3h15 du matin tous les jours et plus tard, il découvrira une pièce secrète dans la cave de la maison. Cette pièce est invisible sur les plans de la demeure. Cette pièce dissimulée derrière les étagères de la cave était peinte en rouge. Une boue verte gélatineuse suintait de la serrure, la même que George trouva dans la salle prévue pour la couture, où le prêtre a entendu des voix. Même le chien de la famille refusa d'y pénétrer et avait un comportement défensif. Il est désormais temps pour George et Kathleen de montrer à des témoins ce qu'ils vivaient dans cette maison, afin de se convaincre s'ils étaient fous ou non. Les phénomènes se produisent devant leurs amis, et ils décident de bénir la maison une nouvelle fois le 8 janvier 1976. Pendant la cérémonie, ils entendent des voix demandant d'arrêter. Et aux environs de la mi-janvier, la famille Lutz vivra sa dernière nuit dans la maison, une nuit dont ils ont longtemps refusé d'en parler. Voici ce que la famille a vécu cette fameuse nuit racontée par George Lutz. Allongé sur mon lit pendant que tout le monde dormait, j'aperçois Kathleen se lever et s'éloigner de moi. Je sens quelque chose entrer dans notre lit, je ne pouvais plus bouger. J'entendais les lits des enfants traîner sur le sol et claquer au-dessus de ma tête, les enfants dormant à l'étage, les lumières de la maison clignotaient. Nous avions pris le chien dans notre chambre afin qu'il nous protège ou pour être rassuré. Celui-ci n'arrêtait pas de sauter et de tourner en rond nerveusement. Les enfants sont restés dans leur chambre toute la nuit, tétanisés. La famille décide de se réfugier chez la mère de Kathleen à New York. Le 4 janvier 1960. 76, le couple abandonne la maison et laisse tout derrière eux. Quelque temps après, l'affaire s'ébruite et éveille l'intérêt des journalistes. Le couple fait appel au parapsychologue Stephen Kaplan, fondateur de l'Institut de parapsychologie de Long Island. Mais suite à un différend, Laura Didio, stagiaire de la télévision locale, leur présente Ed et Lorraine Warren, enquêteurs et démonologues réputés, pour rendre public ce qui allait devenir la célèbre affaire d'Amityville.
L'enquête d'Ed et Lorraine Warren débute et la première fois qu'ils entrent dans la maison, ils seront accompagnés d'un présentateur de Channel 5 News. D'autres personnes seront présentes, notamment un professeur de l'université de Duke et le président de l'American Society for Psychic Research. Lorraine avait peur de rentrer malgré sa longue expérience dans le domaine et avait contacté des prêtres qu'elle connaissait avant de se rendre sur place. Elle fut remplie de visions et l'atmosphère était très pesante. Ed Warren, en descendant à la cave, se fera attaquer et le couple Warren comprend alors que cette maison n'a rien d'une maison ordinaire. Au troisième étage, l'enquête se poursuit sans le chercheur de l'université de Duke qui quitta les lieux tellement il était terrifié. La maison aura un effet terrifiant sur les visiteurs et certains d'entre eux doivent s'allonger afin de calmer ce qui semble être des palpitations cardiaques. Mary Pascarella, directrice d'un important groupe de recherche psychique à New Haven, se sentit si mal qu'elle dut sortir de la maison sans jamais y être retournée. Ed et Lorraine quittent les lieux et promettent de ne jamais y retourner. L'obstination du couple fera qu'ils y retourneront. Le 6 mars 1976, ils organisent une nouvelle visite filmée par la télévision new-yorkaise. Et là encore, il se passera de nombreux phénomènes paranormaux. Ed et Lorraine Warren concluront que les récits de la famille Lutz étaient authentiques. Lorraine déclarera encore, il y a peu de temps, que cette expérience fut horrible et qu'elle ne retournerait jamais dans cette maison. Après cela, le temps semble s'être arrêté et les nouveaux occupants disent que rien ne s'y passe de nos jours. Au cinéma, Amityville sera exploité largement avec de nombreux films déjà sortis. Préquels, remakes et suites rencontreront pas mal de succès. En 2009, Danny Lutz, le fils de Caitlin Lutz, souhaite donner sa version des faits. À 47 ans, il contacte le webmaster du site Amityville Files afin de raconter le cauchemar qu'il a vécu. Encore affecté aujourd'hui, il parlera de lévitation, des odeurs nauséabondes et de la mort de son chien par pendaison, une chose totalement impossible qui le marquera à vie. Surnommé l'enfant d'Amityville, il dira également « Comment voulez-vous expliquer aux gens que votre lit rebondissait sur le sol ?» Je suis certain de ce que j'ai vu et vécu. Il y avait quelque chose dans cette maison. Je dirai la même chose, même dans 20 ans. Il est très tard et je m'arrête d'écrire sur ce sujet. Quoi qu'il s'est passé à Amityville, écrire sur cette histoire m'affecte de manière ou d'une autre. En faire un épisode de qualité, c'est aussi s'imprégner de l'essence même de l'histoire afin d'en ressentir l'énergie. Amityville existe au même titre que le drame des deux féaux ou le désarroi des Lutz. Le mal absolu fusionné dans les murs d'un élément physique tel qu'une maison. C'est aussi la difficulté à comprendre quelque chose que l'on ne connaît pas. Surnommée la maison du diable, elle continuera à fasciner le commun des mortels. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Merci de l'avoir visionné, d'autres suivront très prochainement. Merci aux abonnés, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas fait, un simple clic permet de soutenir cette chaîne. Active la cloche pour ne rien manquer. Je vous dis à bientôt sur votre chaîne Zombies vs Anne.